Décalage horaire. Ça va. Ça va finalement, en fait, tous mes lives commencent à 21h03 finalement. Sauf quelques-uns qui commencent à 21h04. Donc finalement, je veux dire, on dit que je suis en retard, mais est-ce que finalement je suis pas à l'heure sur... Est-ce que je suis pas systématiquement à l'heure plutôt que d'être systématiquement en retard? Est-ce qu'on peut pas s'imaginer que finalement, la ponctualité, c'est pas par rapport à ce que tu dis, mais par rapport à ce que tu fais? Genre quelqu'un qui arrive toujours 5 minutes en retard. Est-ce que du coup, quand il arrive 5 minutes en retard, il est ponctuel ou est-ce qu'il est quand même en retard? Moi, je voudrais que vous pensiez à ça avant de m'accuser de retard drongue et autres méchancetés gratuites. Évidemment, hein, parce que je rappelle que je ne suis qu'un homme et j'ai mes fêlures et mes défauts, comme on l'a tous. Bonjour, Phil Long is the new Gandalf. Exactement, c'est ça. Un magicien n'arrive jamais en retard, ni à l'heure, ni en avance. Il arrive jamais parce que ça n'existe pas. C'est beau, hein, ça c'est la version philosophique. Salut à tous, c'est Phil Long, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite de Pokémon Uranium. Alors, on a une nouvelle équipe. Ah oui, attendez, j'avais oublié de changer... Changer l'heure. Faut changer l'heure, c'est important. Voilà. Ouais, la lumière. Ok, alors, du coup, dans le dernier épisode, on s'est fait casser la gueule. Hein, on s'est fait complètement casser la gueule. Donc, ce qui s'est passé dans le dernier épisode, hein, voilà, hein, c'est que, bon, bah, j'ai cru pouvoir croire... En Ramor qui pue. Mais sachez que Ramor qui pue est mort du coup. Dans d'atroces souffrances d'ailleurs. Attendez, il faut que je range ça. Voilà, donc on a eu beaucoup de morts. C'était comme ça. Je fais l'ordre bien. C'était comme ça. L'ordre. Voilà, voilà à peu près ce qui s'est passé. Du coup, la semaine dernière, on avait 4 Pokémon niveau 50, hein, quand même. Et ben, Mishaptite c'est mort. Il a pris un choc psy. Anal Carnage est mort. Ah oui, c'est lui qui est mort en premier en plus. Lui, il a pris un Final Gambit alors qu'il était prêt à sweep la team du champion d'arène de type psy. Et puis, du coup, après, bon, bah, j'avais plus que 2 Pokémon et c'était un peu compliqué. Donc, Espoir est mort parce qu'il y a eu un Pokémon de type sol. Il me restait un type feu et un type électrique. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. Espoir est mort, Ramor qui pue a tenté, mais hélas il s'est pris un coup critique et ça n'a... Sa légende, hein. Il nous manque très fort, mais voilà, il est mort. Et on a aussi Antikarma hein, qui est mort dans l'histoire, c'est-à-dire que c'était un Pokémon qui n'était pas supposé être dans l'équipe, mais que je n'avais pas enlevé de l'équipe, tout simplement. Voilà à peu près où on en est, c'est un peu la merde. Mais, du coup... J'ai une nouvelle équipe à nous présenter. Et je vais vous la présenter instantanément, maintenant. Attendez, on va mettre de la musique. C'est parti. Donc, voilà notre nouvelle équipe. Waouh! Comme vous pouvez le voir, ils sont tous bien au niveau, prêts pour la suite de l'aventure. Parce que j'étais vraiment bas niveau, comme on avait pu le voir. Vu que... Les Pokémon de l'arène étaient genre niveau 56 et tout. Donc nous avons le premier Pokémon de la team, c'est... Oui. Plus tu dis oui, plus ça porte bonheur. Et du coup, alors oui. C'est un type... C'est le remplaçant de Ostara. Voilà. C'est le remplaçant de Ostara. Il est assis avec lévitation, donc c'est vraiment bien. Il y a vraiment moyen que ce soit fort. Il a Psycho, Vibre Obscur, Soin et Mur de Fer pour l'instant, mais bon, peut-être qu'à un moment il aura mieux. Nous avons ensuite Migraine, qu'on a capturé du coup la semaine dernière. Il a Psycho, Puissance Cachée, Combat, Surf et Repos. Faudrait que je lui apprenne une autre attaque, on verra. Ensuite, c'est Canoncule, le Pokémon suivant. Alors peut-être quelques-uns s'en rappelleront, c'était qu'est-ce que c'est que ça dans le premier Let's Play. Lui aussi, hein, il a une mauvaise nature, mais bon, ils ont tous des mauvaises natures. Il a Giga Sensu, Tonnerre, Acide Armure et Soin, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite nous avons deux pseudos vraiment waouh de qualité de ma part. Hein. Vraiment je suis le meilleur en termes de à ce niveau-là.
Merci beaucoup. C'est ta mère, hein, du coup, le premier, le nymphalie qui du coup, a pouvoir lunaire ballon, puissance cachée... je crois que c'est une puissance cachée nulle, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est puissance cachée plante ou un truc comme ça, c'est vraiment pas ouf. Il a toxique également, et enfin, vos mères. Oui, il y a ta mère et vos mères, j'avais pas fait gaffe, je vous avoue. J'aimerais bien en renommer un, mais bon, pour l'instant, on peut pas trop... Et du coup, c'est l'évolution, pour ceux qui se rappellent pas, hein, du petit insecte là, qu'on avait capturé dans la forêt. Il a acrobatie, demi-tour, atterrissage et gonflette. Et surtout, il a aile bourrasque, donc la priorité de type vol. Donc ça, c'est très très fort. Voilà à peu près où on en est au niveau de la nouvelle équipe. Sachant que presque tous les Pokémon ont une nature négative. Donc lui, ça va. Lui, il a une baisse en attaque spéciale. Lui, il a une baisse en attaque spéciale. Lui, il a une baisse en attaque spéciale. Et lui, il a une augmentation en attaque spéciale alors que c'est mon seul physique. Voilà, on a évidemment ton Poneyo aussi qui est là pour être une mascotte. Ou plutôt un sacrifice. Allez, c'est parti. Je vous propose, sans plus tarder, d'avancer. Donc, il va falloir qu'on refasse la grotte. Mais on remercie Théo hein, pour toute l'XP qu'il m'a apporté. Parce que je vous avoue que sans Théo, la situation aurait été bien compliquée. Bon, on va mettre Migraine en premier, vous allez voir un peu le skill de Migraine, c'est parti. Ah oui, alors c'est le labyrinthe. Ah oui, parce que j'avais sauvegardé juste après. Hein. Donc en gros, je dois aller tout rechercher. Fuite impossible. Ah, ce truc à Marcombre. Super. Je savais pas que ce truc avait Marcombre, mais d'accord, admettons. On va utiliser un repousse, hein, je pense. Non, mais c'est chiant, par contre, là. Ah oui, c'était ça. C'était vraiment de la merde. Allez, du coup, repousse. Repousse. Je suis à la ligue en ce moment. Les niveaux sont 85. Ouais, c'est très haut niveau, hein, la fin de ce jeu. Alors attendez, c'était qui m'avait cassé la gueule? Je crois que c'était elle en bas là. C'est elle. C'est elle qui m'a tué, la vengeance! Merci beaucoup. Ok, la vengeance. Vous vous rappelez, elle nous a cassé la gueule l'autre fois. Mais là, je suis plus au même level là. On a Migraine notamment, Capsico. Ok, on va lui péter la gueule. Oh, c'était tellement dur la dernière fois. Migraine niveau 60. Ça, c'est bien. Parfait. C'est bon. Bon, en tout cas, pour cette grotte, on est bon. Mais le problème, c'est que ça va. Il paraît que les niveaux vont monter instantanément. Genre, on va passer du niveau 50 des dresseurs au niveau 60 presque. Et du coup, j'ai hyper peur parce qu'il paraît que, en gros, la courbe de level du jeu. Voilà, j'ai été vengé, c'est bon. La courbe de level du jeu, elle va à toute vitesse. Et ça me fait très très peur. Alors, pour l'instant, j'ai l'air d'être trop haut niveau. Mais on m'a dit que. En quelques minutes, je serai trop bas niveau. Et ça me plaît pas trop. Alors attends. Ceinture pro, très bien. Oh putain, mais c'est encore... J'espère que ça passera. J'espère aussi, je vous avoue que si toute mon équipe meurt aujourd'hui... je vais sans doute mal le prendre. Attends, mais je suis déjà arrivé? Ah non, mais attends. Attends, c'est quoi là? Attendez, mais c'est la suite. Attendez. Ok, on sait où est la suite. Je veux retrouver... Il y avait les... C'était Ballombre et tout. Il me faut Ballombre. Lui, c'est un dresseur que je veux affronter. Avec qui je veux affronter une team psy? Avec Vomer, vous allez voir, il est trop stylé. Il a demi-tour et tout. Attention, zone dangereuse. Incroyable. Allez, acrobatie. Acrobatie sans objet, hein. Donc, attaque boostée et tout. Voilà. Petit coup critique, tranquille. Là, on fait demi-tour. Oh, c'est incroyable. Oh là là, le demi-tour super efficace. Qui va one-shot. C'est trop, trop bien d'avoir demi-tour sur un de ces Pokémon. Et en dernier, on va mettre quoi? On va mettre... Oui. Ah, Vomère, elle est trop forte, hein. Coucou Fifou, enfin de retour, émoticône souriant.
Merci Kiruka. Welcome back. Bon attendez, je voulais trouver du coup... Ah ouais, c'est chiant ça. Enfin il joue 5 Pokémon. Ouais. J'ai mis du temps, mais j'ai compris ma leçon. 4 Pokémon dans ce jeu, ça fait que dès que t'as un mort, c'est fini. Donc là, franchement, peut-être le premier live d'Uranium sans mort. Hein. Attends, c'est pas par là. Il faut monter après. Ok, j'avais battu quand même des gars. Je crois que c'était là les CT. Ah, mais je les ai prises, d'accord, ok, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, on peut continuer. Oh, Shay Shay! Merci beaucoup pour le gros don! C'est de la merde ce Pokémon! C'est de la merde ce Pokémon en plus! Oh, merci du fond du cœur, Shay Shay, merci beaucoup! Très joli nom, Shay Shay, ça me rappelle des souvenirs. Oh non, la mort, s'il te plaît, je t'en supplie, la mort, pas aujourd'hui. Il faut repousser la mort, je pense qu'on a assez souffert là. Je veux un live sans mort. Merci du fond du cœur pour le soutien, les gars. Cette saga de l'été. J'ai l'impression que je suis la saga de l'été sur TF1. C'est quoi la saga de l'été de cette année, là? Pour ceux qui ont des parents qui regardent la saga de l'été, peut-être. Alors. Sombre Ball. Ok, c'était très rapide, cette grotte. Ah oui, j'ai déjà fini. Hein? Ok, je suis à la route 15. Ah oui, donc c'était vraiment court, hein. Attendez, Pokémon de zone, là. Oh, Vampipoint, très très bien, très 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 bien, Vampipoint. Si un jour on a une attaque combat, on a un Pokémon combat, une des meilleures attaques en Nuzlocke de type combat. Je fais la pêche toute la journée, mais je fais que choper des vieux guillemots. Quoi? Oh, le cerf est bon. Qui regarde la télé en 2022? C'est Joséphine Angedronguien. Ah oui, bah c'est ça, ouais. Je reconnais, ouais. Et si on essaye Canoncule? Lol, vous avez vu la gueule du truc? Est-ce qu'on one-shot avec Canoncule? Je suis même pas sûr, hein. What the fuck? Il a tanké, hein. Il a quand même tanké le tonnerre stabé super efficace d'un Pokémon qui a 8 niveaux de plus que lui. C'est-à-dire que je rappelle qu'on est en mode défi, donc les Pokémon sont EV, IV, les adversaires. Ah, par contre, toi, t'as une double faiblesse à Giga Sensu. Enfin, je crois. Il doit être Roche... Roche... Roche O, ouais, c'est bon. Ok. Alors. On va mettre Canoncule en premier, je pense. Et on surfe. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Il y a un dresseur... Il y a deux dresseurs. Allez, vas-y, go, Canoncule. Et après, on essaiera Nymphali, qui est l'autre nouveau Pokémon. Ok, Lame Iceberg. Bon, ça meurt de tonnerre, ça. Toute l'année. Ok, il fait abri. Du-du-du-du-du-du-du. Tes Pokémon sont pas EV? Si, si, ils sont EV, ils sont EV. Ah! Bah ok, on va partir comme ça, là, du coup. Ok, d'accord, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris ce que ça voulait faire. J'ai compris ce que ça voulait faire. Merci. On a les restes, hein. On a les restes maintenant parce que au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule, hein, j'en ai marre. Oui, bah ça suffit maintenant, arrêtez de me... Hein. Ok, il est seul haut, ce truc. Sable argot. Putain, mais on one-shot pas les Pokémon. Quel enfer. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le coup du freeze, c'était pas mal, j'avoue. Oh là là, Léviator sous la reine. J'espère qu'on le two-shot, hein.
On le two shot. Coup critique. Bon, Hydrocanon, ça va, je tank. Il m'aurait fait cascade. Alors, j'ai les restes sur tous mes Pokémon. Hein. Je vous avoue que là, je suis en mode, il faut que je... Il faut vivre. Il faut arriver jusqu'au bout du jeu. Le jeu a l'air vraiment très difficile. Il a encore des Pokémon. Oh, c'est son Pokémon... Oh, quel enfer. Oh, ça a l'air vénère, ça. On a ta mère, on a ta mère. Merci du fond du cœur pour le gros don. Merci beaucoup. Une offrande. Ok, c'est bon. Ouais, ok, 0-0-0. La pluie s'est arrêtée. C'est bon, je suis rassuré. Ok, Moonblast. Ta mère, Moonblast. Mmh. Merci du fond du cœur pour le gros don. Comme dirait Faudel, je veux vivre. Bah, c'est un combat d'arène, le truc. Il avait genre 4-5 Pokémon, je sais pas combien, mais il en avait beaucoup. Hein. Bon, alors du coup, je suis bon pour me soigner déjà. Tu as déjà eu Marcel à Vénissi, ou alors j'ai rêvé. Ouais, mais on fait les règles du Nuzlocke du jeu, c'est-à-dire que c'est le jeu qui nous dit quand on peut capturer ou pas. J'ai toujours fait comme ça dans les Nuzlocke intégrés, en fait, parce que c'est comme ça que le créateur veut gérer son Nuzlocke, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, dans Uranium, le Nuzlocke dit que... je sais pas, les Pokémon donnés ne comptent pas. Personnellement, je vais pas me plaindre parce que c'est tellement compliqué. Est-ce qu'il va être plus rapide que moi, non? Non. Allez, tenez. Hein. Mais merci pour le don, en tout cas. Mais t'inquiète pas, t'es pas le premier à me le dire. Hein. Mais est-ce que ta mère est légale, finalement? Je suis pas sûr que ta mère soit légale. Ok, on va faire un giga sensu. Merci de tous les moments que tu fais vivre à ta communauté. Merci beaucoup Karma, merci du fond du cœur. Oh là là, Canoncule il prend blinde de points d'XP. Après, en vrai, je pense qu'il faut qu'on entraîne ta mère. Je rappelle que l'arène est type dragon. Alors évidemment c'est parce que, bon heureusement j'en avais des souvenirs, mais aussi je me suis fait spoil. Comme d'hab. C'est quoi ça hein? Total son. Ah, je suppose que je me suis soigné pour rien parce que ça va être une maison de repos. Eh oui, évidemment. Bon, en vrai, c'est mieux que rien, mais... Qu'est-ce que tu dis sur ma mère? Moi, je dirais... Je parle pas de ta mère, je parle de ta mère. Tu vois? C'est pas exactement pareil. Ta mère et ta mère, c'est pas pareil. Parce qu'en gros, ta mère, c'est un Pokémon, et ta mère, c'est ta mère. Vous comprenez? Je sais que c'est... C'est peut-être... Pas super... Oh! Yes, la méga canne, merci. Angélure. Oui, c'est une zone, je sais, mais j'ai encore mon rappel, attendez deux secondes. Oh, oui, c'est ce que j'attendais. Plénitude. Oh, oh, je vais apprendre plénitude à tous mes Pokémon. Oh là là, la communauté va être énervée, mais en même temps, j'ai trop envie. Oh, ta mère plénitude, migraine plénitude et oui, plénitude. Plénitude toxique, parfait. Oh. Oh oui. Oh là là. Let's go. Est-ce que je l'apprends aussi à oui. En vrai, oui. Si je lui mets, il a plus beaucoup de place dans les move pool. Après, oui, ça peut être un peu l'ultime parce qu'il a soin, plénitude, mur de fer et psycho. Incroyable. Ça fait quoi plénitude? Ça booste l'attaque spéciale et la défense spéciale et c'est sûrement la meilleure attaque en Nuzlocke. Allez, c'est parti pour le Pokémon de zone, attention! Bon, il doit tanker un ballon, je pense. Parfait. Oh, je l'ai gelé. Ah oui, j'ai gelé souris que je peux rendre les Pokémon amoureux. Ça, c'est bien pratique, ça. Allez, j'ai une filet ball en plus.
Bon, on va pas l'appeler un truc par rapport au maire, hein, par contre. Hein. Si tu loues, c'est la honte. Enfin, je sais pas, hein. Moi, la semaine dernière, je pensais vraiment pas que j'allais perdre. Hein. Noctanguy, on va l'appeler... Franchement, il a besoin de dentifrice de ouf, le gars. Hein. On va l'appeler Colgate, parce que vous avez vu son sourire. Quand t'as les dents vertes, faut vraiment se remettre en question. Hein. Ok. Il me donne des CT tous les... Un combat double. Ok, mais ça va, j'ai Moonblast. Moonblast et Psycho. Il me fait Hydro-queue, il est plus rapide que moi. Putain, mais les dégâts. Ok, ça va, je l'ai one-shot, je l'ai one-shot. Force nature, triple attaque. Oh mon pauvre, oui. Allez, pouvoir lunaire. Et marrante l'animation de pouvoir lunaire, vous avez vu? Ah oui, d'accord! C'est quoi ce zéro dégâts? Heureusement que j'ai oui. Hein. Ok, bon, il avait que deux Pokémon, ça va. Ah, il faut que je remette un repousse parce que j'ai pas envie de trouver des Noctangui toutes les 4 secondes, je vous avoue. Alors attendez, 5. Super repousse, parfait. Oh mais Ryuga! Mais qu'est-ce que vous avez avec les dons ce soir? On n'est plus en 2017. Ah bah j'espère que je suis protégé. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Bon, ta mère, montre-nous la puissance de ton Moonblast. One-shot-le, s'il te plaît. Ah, mais c'est Léviator, jamais joue one-shot. Ah, par contre, c'est Danse Draco, Hydro-Canon, et il a raté en plus. Donc ça, c'est un peu... Il doit se sentir un peu con. Ah bah merci. Ça, c'était gratuit, merci. Ok, Cérébron, j'ai Balombre. En vrai, par contre, ta mère, il fait pas mal. Il faudra qu'il utilise des... Ah oui, alors par contre, il fait vraiment zéro dégâts. Merci beaucoup. Tout le monde veut porter bonheur ce soir. Tout le monde est en mode, Fildrong, il faut que tu y arrives. Alors que d'habitude, tout le monde est en mode, je veux que tu meurs et tout. Là, je pense que vous avez compris qu'on souffre trop. Et qu'en fait, c'est pas plus mal de temps en temps de pouvoir avoir une team qui marche, quoi. moi qui fait... Ah, il a toujours pas fini. Je peux bien one-shot un insecte, quand même. Bon, par contre, il me fait aucun dégât. C'est genre ça, c'est trop stylé. Oh, Moonblast, c'est tellement fort. Ta mère, il est full défense. Hein. C'est il a aucun investissement en attaque spéciale. Il est pur défensif. Ok. Ah bah tout est suggestif. Je peux encore, je peux partir ou pas? Je peux. Il est haut acier lui. Oh la queue de fer. Parfait. Voilà. Molly est mort. Ah bah Molly, lui, ça fait longtemps qu'il est mort. Mais il est plus dans mon équipe, vous avez vu? Je l'ai mis dans la boîte quand même, en mode prends ton repos bien mérité, Molly, parce que je vous avoue que ça faisait un peu mal quand même d'avoir le Pokémon dans ma... qui était là, juste surfer sur un mort et tout. En plus, c'est trop stylé de surfer sur une planche de surf, donc du coup... Allez, Tetsuo, Mastosinge. Ok, alors attention quand même. Bon, ta mère, tu peux quand même one-shot un Mastosinge. Oui, d'accord, il est plus rapide. Ah, mais ta mère, il a la vitesse d'une... Qu'est-ce qui est lent sur Terre? Un slime? Ok, par contre, on one-shot. Petit
On one shot quand même quand c'est super efficace. J'ai vraiment trop d'amour pour toi, surtout quand ça va pas. Oh, merci beaucoup Max la menace. Le petit passier. Voilà. Il est endormi. Je vais faire un don de mon chiffre préféré, mais c'est 10 570. Merci beaucoup. Oh, il a une béprine. Et du coup, il a tenté ronflement, mais ça n'a pas marché. C'est trop marrant, ce talent-là de Félix, ça l'endort quand il arrive sur le terrain. Oh, par contre, chaque combat, c'est un combat d'arène maintenant. C'est genre... Oh là, double faiblesse. Double faiblesse à Moonblast. Combat ténèbres. Il est 21h30. Ok. Normalement, je gère le karma ce soir. Ok, c'est celui-là, là, le dresseur de 21h30. Allez, c'est parti. Point culture. Crevanon peut tirer des salves d'eau bouillante par ses griffes. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir avec les gros dons? Mais c'est trop gentil, mais pourquoi? La mère Atemba. Merci beaucoup. Attention, Katona. Très dangereux. Merci du fond du cœur. Oh non. Arrêtez. Oh, vous allez me faire le coup des proverbes. Oh, merci les restes d'exister par contre. Allez, la sardine là, la sardine à l'huile. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est qui le représentant de la team? Pour l'instant, il n'y en a pas. On va voir s'il y en a un qui se détache. Ok, ça c'est glace. On gère. Glace, on gère comment? Avec migraine? Ou avec ta mère? Non, pas avec migraine. Je crois qu'il tape. Il a pas l'air de taper très fort. J'y était pas encore en 2017. C'était bien, 0. Merci beaucoup. En 2017, j'étais pas en Nuzlocke, donc c'était plus facile. Merci du fond du cœur, merci Echo. Oh, mais qu'est-ce que vous avez avec les dons? Let's go! Merci beaucoup, merci pour votre participation. C'est trop cool, merci beaucoup. Bière qui roule, n'amasse pas mousse, exactement. Ok, allez. Attends, mais on n'arrive pas déjà à la ville, parce que si on arrive à la ville, je sais le niveau de l'arène. Hein. Je vais me faire casser la gueule. Oh, il a Selkid, c'est trop mignon. J'espère vraiment qu'il y a un truc avant la ville, parce que je connais le niveau des Pokémon de l'arène du gars, et je suis pas prêt. Je vous le dis, les mecs, la team n'est pas prête. J'espère vraiment qu'il y a autre chose. Hein. Non, mais c'est bon, il va y avoir autre chose, je pense. Je rejoins la chaîne d'Ocran pour passer 21h30. Ah, vous êtes trop mignons, merci beaucoup, ok. Oh là là, mais arrêtez! Je vais faire plénitude, en vrai. Dédidas à la... Merci beaucoup, Tenbatsu. Oh! Il m'a fait buée noire. Ah, le bâtard. Moi, je refais plénitude. Merci beaucoup. Les offrandes de chance. C'est trop mignon. Vous êtes trop gentil. Merci beaucoup. Ah, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Merci beaucoup. Soirée Pex. Non. On va à l'arène. Aujourd'hui, on atomise le champion de type dragon. On a un Pokémon de type fée, les mecs. Franchement, à moins qu'il y ait un type... Parce que je me suis pas spoil de la team, quand même. Il y a peut-être un dragon acide dans le jeu. C'est quoi ça? Type psy, non? Il a amnésie? Non, c'est neutre. Oh, les dégâts! Attends, mais pourquoi il est neutre? Ok, je fais psycho. Il doit être type fée, en vrai, non? Ok, je sais ce qu'il faut qu'on fasse, parce que là, on va lui faire zéro dégâts. Hein. Faut qu'on mette... Vomer. En avant, Vomer. Alors, le problème de Vomer, c'est que... Il a zéro bulk, lui, hein. Donc, c'est du full offense, Vomer. Allez. Ouais, par contre, Vomer, il est rapide et il tape fort, hein. Ok.
On est à la ville déjà? La ville de Port-Argent. Polyrush. Attends, techniquement, est-ce que je peux capturer un Pokémon? Parce que là, je suis à... Là, je suis à Port-Argent, là. Là, je suis à Port-Argent, donc techniquement... J'attends la fin du repousse. Mais... C'est une boule. Le stalker de Fildrong. Mais c'est de la merde, ce Pokémon. Ah, je crois qu'on peut pas... Merci du fond du cœur. Arrêtez, c'est bon. Il est plus 21h30, c'est bon, on est arrivé à la ville grâce à vous. Je crois qu'on puisse pas, qu'on peut pas capturer de Pokémon. Merci beaucoup. Fatus. Merci du fond du cœur pour vous. Arrêtez, en vrai, ça me gêne, ça fait longtemps. Je peux plus porter ma mini-jupe tous les jours. Ah, ok. Une brise maritime fraîche. Ah... Je laisse les enfants jouer à pirates et ninja, mais j'aurais aimé qu'ils jouent à autre chose. Ah oui, les ninjas de l'océan, c'est vrai. Bah en vrai, on avait eu Noctali l'autre fois. On peut pêcher. On a la méga canne, c'est vrai, vous avez raison. Vous pensez que ça peut passer? Mais je crois qu'il y a aucun, il y a aucun Pokémon hein, dans les villes. Hein. Est un Omamori pour porter chance à ta team plus petit que 3. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de Pokémon dans les zones, les gars. Dans les villes. On m'avait dit qu'il n'y avait pas de Pokémon dans les villes. Mais c'était une bonne idée. Mais on m'avait déjà dit qu'il n'y avait rien. Non, ouais. J'avais déjà essayé, en fait, dans les villes, tu peux pas cheater dans Pokémon Uranium. J'intervenir ou pas ce soir, tout dépendra de toi, moi. Ah non, mais s'il te plaît, non. Franchement... Mon objectif ce soir, c'est zéro mort. Je vais essayer de jouer en mode zéro mort. Parce que... T'auras besoin de version show. Merci Jonathan pour ton sub. Merci beaucoup. Merci le fond du cœur. Ok. Bon, c'est une petite ville. Mais attends, mais elle est pas là, la reine. Katona est un des Pokémon favoris des ninjas. Oui, effectivement, on a vu. Bonjour. Il est... c'est Nymphali Urali, maintenant. Port-Argent a été fondé comme un avant-poste de pêche, la plupart des résidents portant tous les jours pour pêcher comme mon mari, d'accord. Bon, c'est tranquille ici, hein. C'est bonne ambiance, on dirait une petite ville de Normandie. Ah oui, la puissance cachée de ta mère. Plante. Canancule. Poison. Oh, c'est vraiment de la merde. Et oui. Type O, c'est vraiment de la merde. Et on sait que notre poisson, c'est combat. Oh putain, les puissances cachées de merde. Est-ce qu'on achète des trucs pour la route? Est-ce qu'on peut acheter enfin des super repousses, des max repousses? Non. Salut, je dois te prévenir que je ne suis pas dispo ce soir. Oh merci, la mort de pas être dispo. Oh non. Oh zut. Mettez des smileys qui pleurent dans le chat, vraiment. On avait besoin de toi, la mort, ce soir. Oh, c'est dommage que tu puisses pas venir, mais effectivement, t'as raison, hein, c'est plus important que tu t'occupes de tes affaires. Le retour du professeur. C'est moi ? Oui ! Oh, la synchro ! C'est Sylvain Durif ! Qu'est-ce qu'un gosse comme toi fait dans le labo ? T'es un dresseur Pokémon ? Tu fais des recherches pour un professeur quelconque ? Dis-moi, pour qui est-ce que tu travailles ? Bambo, ah Ernest, j'ai cru qu'il s'en sorte. J'aurais jamais cru qu'il s'en sorte en tant que théoricien. Mais ce monde regorge de surprises, tu sais. Lui et moi allions à la même université jusqu'à ce que quelqu'un propage à tort une rumeur comme quoi je plagierais. Moi, un génie comme moi, plagier le travail. Merci beaucoup. Je n'ai jamais rien tiré de cette université. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé ma propre entreprise de recherche privée. Avec un esprit brillant comme le mien, il ne fallait pas laisser pourrir le génie. Et comme tu es le protégé de Bambo, je ne vais pas t'empêcher de regarder nos équipements. Impressionnant, je suis sûr que je suis à des années-lumière de tout ce que tu peux avoir dans ton trou perdu. Simplement, ne touche à rien, je m'attends à ce que tu sois bientôt sur le départ. Ok. On peut cloner des Pokémon. Mais je peux avoir des Pokémon infinis pour mon Nuzlocke ou pas? Ça a l'air un peu sus ici. Hein. Chouetton. Ah, le chouetton veut vous dire quelque chose. On peut traduire! Merci beaucoup. Merci. Arrêtez, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis là. Tu dois m'aider, ces gens sont méchants. Merci beaucoup. Ils me mettent dans une balle inconfortable et me tripotent. Moi, j'aimerais... Si tu veux, tu pars avec moi et je te tripote, chouetton. Ils me tripotent avec tes trucs. J'ai faim. Éloigne-moi de ces méchants humains.
toi. Tu peux comprendre ce que dit Chouetton? Quel est cet instrument dans ta main? Oh voilà, c'était sûr! Ça a l'air d'être le traducteur des Pokémon en développement. C'est lourd et difficilement entre toi. Oh, merci beaucoup. Oh non, s'il te plaît. Lily a finalement réussi à passer la barrière de la langue. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais ces technologies? Il va prendre ma technologie! Elle te fait confiance. Je ne peux pas croire qu'elle aimerait que tu cèdes si vite. Merci beaucoup. Ah oui, parce que la clim que j'ai prise. 100 000! Où je peux te donner un Pokémon rare et fort de notre labo. Oh oui, un Pokémon rare et fort. Merci beaucoup. J'imagine que tu as fait une promesse. Mais arrêtez les dons, je ne peux plus là. Merci beaucoup. Très honorable de ta part, je ne peux pas t'en vouloir. Maintenant, laisse-nous. Oh, il est pas méchant. Très intéressant, en effet. Oh, je peux plus rentrer. Oh, c'est hyper sus, là. J'aurais dû essayer la porte, peut-être, pour voir. Merci beaucoup pour tout votre soutien, les gars. C'est incroyable, en vrai. Hein? Hein? Merde! Tu vas quelque part? T'as quelque chose que le boss veut? Il veut le traducteur. Prends ses Pokéballs. T'es pas si fort sans tes potes pour combattre à sa... Mais j'ai passé... J'ai passé une semaine à monter cette team! On me transporte quelque part! C'est dur de rester conscient. Regarde, tu es réveillé. Je savais que tu serais sans défense si je t'attrapais par surprise. Oh la... Mais je sais pas, mais il vient de me passer toutes mes heures! Il vient de me voler toutes mes heures passées à level up! Si tu ne les as pas à tes côtés pour te défendre, tu n'es qu'un pauvre enfant impuissant. Mais c'est toi qui es impuissant! Regarde ton crâne, là! Tu crois qu'il y a une meuf qui veut que toi? Pardon, excusez-moi, pour tous les chauves, j'en fais partie. Je peux confirmer que c'est dur. Je ne pouvais te laisser partir avec ce prototype. Je vais te dire un petit secret. Les industries de recherche ont été dans l'ombre depuis un moment. Je dois de grandes sommes d'argent à des gens à qui il ne fait pas bon d'être débiteur. Tout cela va changer maintenant que j'ai le prototype de traducteur Pokémon. Mes scientifiques vont le désosser, le comprendre. On va commencer à produire notre propre copie à la chaîne. On pourra utiliser cette technologie pour avancer dans nos recherches sur une machine qui va permettre aux dresseurs d'anéantir la volonté de leurs Pokémon. Je connais un certain nombre de sociétés qui m'ont promis de très grosses sommes d'argent si jamais cette technologie venait à voir le jour. Sois un bon petit garçon et tais-toi. Mais... Mais Togekiss de merde! Merci beaucoup, héros! Merci du fond du cœur! Si tu fais ce qu'on te dit, on te laissera peut-être même tes Pokémon, même si je suis grandement tenté de les garder pour moi. Mais rends-moi mes Pokémon! Mais! Reviens ici tout... Reviens ici tout de suite! Ah oui, d'accord, super. Bah, je peux vraiment rien faire? Attends. Il y a un lavabo. Ah, oh, je peux chier. Je fais le caca de la déprime. Fifou, tes Pokémon sont sous ma bénédiction ce soir, sois tranquille. Ben ouais, bah non. Merci Nico pour ton sub aussi, merci pour les dons. Coucou, je serai absent. Il y a de la bouffe, aussi, mange. Avec la mort émoticône clignant de l'œil. Merci beaucoup. Il y a un mémo sous le pain. Je ne peux pas te dire qui je suis, mais je veux juste que tu saches que je pense que ce que fait le professeur est mal. Prendre un enfant en otage. Toutefois, je ne peux pas être vu en train de t'aider. Il y a un défaut dans la structure de ta cellule. Regarde le mur derrière ton lit, il est très fin. Un ou deux coups dedans devraient le faire. Peut-être que tu trouveras quelque chose d'utile de l'autre côté. Le mot de passe est 92. Les mecs. Un coup d'épaule. Oh, oh. Marmaille. Marmaille, il semble vous reconnaître. Marmi. Ah oui, mais c'était le petit. Mail, il monte la console de l'autre côté de la pièce. Vas-y. 92. 2. Code incorrect. Comment ça marche? 1, 2. Ah oui, là c'est 2. Et là c'est 9. Ouverture de porte. Je vais te sauver la vie, Marmaille. Marmaille. Il a l'air désolé pour votre dernier combat. Il est reconnaissant que vous l'ayez sauvé. Il voudrait vous rejoindre. Marmaille? Niveau 50. Plan de combat. Il a Vampipoint, Macpun, Giga Sensu et Vampirenne. Mais vous calmez-vous avec les dons, hein. Il essaie d'arracher les barreaux. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Oh, il a arraché les barreaux. Il est trop fort, Marmaille. Attends, mais je peux passer là ou pas? Non. Oh là là, je vais sauver le monde avec Marmaille. Mais attends, mais je vais...
Oh non. Ah non, putain, j'ai peur, j'ai cru que j'avais softlock. Qu'est-ce que tu fais, je suis en dehors de... Attends, non mais attends, parce que moi je vais avoir un Pokémon niveau 50, mais eux ils vont être beaucoup plus haut niveau. Ok, ça va. Ok, ok, ok. Allez, vampire point pour l'instant, ça va. Lui c'est facile, il a une double faiblesse combat. Donc si c'est fait pour, ça va. C'est légumane. Ok, roche. Mais non, mais j'ai fait vampire graine comme un débile. Ok, je pense que c'est fait exprès qu'il n'y a que des Pokémon qui sont faibles au type plante et combat. Hein. Vu que j'ai un seul Pokémon, ce serait abusé sinon. Est-ce qu'il a une bonne attaque spéciale aussi ou pas? Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Faflarage. Oui, c'est ça. Je veux récupérer mes Poké en fait, si possible. C'est quoi ce délire? C'est ce gamin! Comment ils sont sortis? Oh! Marmaille vient me sauver! Oh oui, il n'y a que des Pokémon faibles à Marmaille. Parfait. Et là, il a... Je sais pas, mais il a Counter. Non, plaquage. On a Vampipoint, Giga Sensu, je viens de remarquer, mais... Et Vampigraine, on a que des attaques qui rendent des PV. Ah oui, c'est ça, il y a que des Pokémon faibles à Marmaille. Allez, Marmaille, et ils peuvent rien me faire aussi. Par contre, c'est vraiment le chevalier oignon, quoi. Crotteux. Comment se fait-il que ce Pokémon soit si fort? Oh oui! J'ai mon Pokédex. Oh, mes Pokémon sont de retour. J'ai ta mère au niveau 62, là. Ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. Arrête-toi, là. Toutes mes recherches, toutes les notes que mes assistants ont prises sur le traducteur Pokémon, ces choses les a entièrement détruites. Mais chais! Chais, mec! Tant que j'ai ceci, ce n'a pas d'importance. Le traducteur Pokémon, j'en ai marre d'être sympa avec toi juste parce que t'es un gosse. Professeur. Toi et moi, on a un compte à régler. Tu pensais que parce que j'étais chauve et pas toi, hein, ça allait mal se passer? Hein? Hop là! Tu veux tanker ton pouvoir lunaire là? Tu veux voir combien ça te fait de dégâts là? En vrai, il faudrait que je le fasse. J'y penserai. Merci beaucoup. Ça va pas se passer comme ça. Professeur Calvicile, hein. C'est pas parce que je suis chauve aussi que je vais tolérer. Que je vais tolérer. Ok, attends, ça c'est poison. Poison. On a migraine. Il a Darvenin. Ok, il est poison donc psycho. Il est poison vol lui, hein. Oui, il doit être poison vol. Ah! 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 Il est poison ténèbres. Okay, on a vos mères. Attends, poison ténèbres. Attends, mais il a eu... Oh, sa mère, il fait tellement mal. Acrobatie, ça va le one-shot. Il a l'air d'être très fragile. Merci, Stormy, pour ton sub. Allez, on le one-shot, on le one-shot. Ok, c'est bon, c'est bon. Oh, vos mères, c'est mon... Ok, lui, il est ténèbres. On connaît. On a sa pré-évolution. Rafiti. Ok. T'as un type acier. Oui, mais il est faible au type ténèbre, le type acier. Allez, on remet ta mère. Je parie sur le chauve. Il y a des grandes chances que ce soit un chauve qui s'en sorte à la fin de ce combat, je vous avoue. C'est l'évolution du Pokémon Poison, ça. C'est Lutacabra. On va mettre oui. Il a une double faiblesse psy, hein. Il a tenté direct toxique, oh là, je l'ai vu venir. Oh, il a tenté mitra point. Et hop là, double faiblesse. Oh, tu fais quoi là? Bah, tu meurs.
Lutacabra. Vous avez vu les niveaux? 55-56, hein. Donc, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, je vais faire mur de fer. Attends, réfléchis. Techniquement, il a pas d'attaque super efficace sur ta mère, je pense. Oh, je sens qu'il va me casser le cul, lui. Ça va, il est fait ombre portée. Ok, j'espère qu'il a pas le double type acier. Bah, l'ombre. C'est bon, il me fait des ombres portées. 58, hein. Eh ben, j'ai bien fait de... On est passé du niveau 50. Sa mère, les dégâts. Vas-y, on bat le toxique. Attends, pourquoi il est neutre au type... Ah, il est spectre ténèbre. Attends, mais je suis con, il est faible à Moonblast, j'aurais pu le tuer, là. Non, attends, je peux le tuer, là. Ok, c'est la fin. Bon, heureusement qu'il fait que des ombres portées, parce que... Allez, chais. Ouais, c'est ça, il est spectre ténèbre, lui. Déchaînote. Si seulement tu lisais le chat. Bah, je lis le chat, mais bon, vous spoilez une fois sur deux, donc. Comment ai-je pu être humilié de la sorte par un enfant et une simple créature? Je dois fuir! Il me trouvera si je fuis pas. Prends ton truc stupide. Je fuis la région. Et voilà. Marmy! Traducteur Pokémon. Tu peux me comprendre. On a bien botté les fesses de ces mauvais humains, n'est-ce pas, bon humain? J'ai entendu les pleurs des Pokémon retenus prisonniers. Moi, Marmaille, grand libérateur de tous les Pokémon réduits en esclavage, j'ai essayé de les libérer. Mais au final, je me suis fait attraper moi aussi. Mais tu es arrivé, tu m'as libéré. Pour cette raison, je te dois la vie. Nous sommes liés à présent, j'en ai décidé ainsi. Tu es un bon humain. Je sais que tu n'es pas comme les autres, je veux voyager avec toi. Ensemble, nous écraserons tous les ennemis et vaincrons le mal. Ah ouais, c'est... Oh, le uppercut qu'il donne, là. C'est John Cena. Oh, on a un Pokémon plan de combat assez vénère, là, de disponible. Si on a un mort... Bon, évidemment, faut pas... On l'avait prédit, le show va gagner. Exactement, vous l'aviez dit. Mais j'ai un peu peur au niveau des levels, là, je vous avoue. C'est vrai, putain, mais l'arène, là, l'arène va nous... Ok. Faut survivre. Ok, la grotte Lantanide, va y avoir une zone. Donc, attends. Zone. John Cena! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon Pokémon de zone, c'est un Ténéfix! Oh! Mais elle a des sens de rentrer, au moins! Oh, on va se faire chier. C'est chiant à capturer en plus, ces trucs. Vas-y, on a Ballombre. Oh non, mais pas lui, quoi. Il a un vital. Oh, le un vital de l'enfer. Ok. À mon avis, lui, il a pas farceur. Hein. Oh, c'est trop nul, ce Pokémon, putain, sans farceur. Oh, il est amoureux. Appelle-le Ténébitch. Je sais pas comment on va l'appeler, mais il faut trouver un nom bien nul, là. Il a des joyaux dans les yeux, hein. Oh, mais tu pues l'enfer, quoi. On va l'appeler... Joyau du cul. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'aimerais bien voir ce qu'il y a d'autre de disponible. Attention. Pour l'instant, il n'y a que des Ténéfix. Il est amoureux de ta mère. Ah bah, écoute, ta mère, en même temps, c'est l'abeille, hein, comme on dit. Mais elle était minuscule, cette route. Attends, il n'y avait que des Ténéfix dans cette zone. Attends, mais une nouvelle zone, du coup. On ne perd pas espoir. Par contre... oui. Peut-être qu'il y avait juste des Ténéfix dans cette grotte de mort, hein.
Mais non, il y avait des glarvons. Oh, il a l'air trop mignon, lui. Pouvoir lunaire. Je suis sûr que lui, il tanque le pouvoir lunaire. Ah non. Bon, il a pris un crit. Total son. Ok, Pokémon de zone. Attention, ça va être un Pokémon glace. Merci Philon pour cette très intelligente participation. Et ben voilà un Glarvon. Un Glarvon niveau 32. Alors par contre, attends. Glarvon niveau 32. Je peux pas l'affaiblir. Je pense que c'est un type insecte. Ça me semble assez logique que ce soit un type insecte. Oh, il est pas rentré. Il a corps gel. Oh, ça a l'air d'être un Pokémon de merde. Hein. Ça sent l'insecte glace. Insecte glace, c'est... Insecte glace, hein. C'est insecte glace, c'est... C'est beaucoup de faiblesse, insecte glace. Oh là là. Glarvon, Glervieux, voilà, hop là. Allez, hop là. J'ai hâte de ne pas t'utiliser, Glervon. Bon, alors, attends. On va affronter des Pokémon de type glace. Ok, go. J'ai froid, réchauffons-nous avec un combat. Vas-y, go, go, mec. Pas de soucis. Cochebouc. Normal, glace est pire. C'est vrai. Mais insecte glace, c'est vraiment pas ouf, hein. Oh, merci, merci d'avoir créé les restes. Oh là là, c'est trop bien d'avoir les restes sur ces Pokémon. Oh non, Servacier, attends. C'est quoi mon game plan pour Servacier, en vrai? J'ai aucune attaque combat ni rien. Si, bah, il faut que je mette migraine et que je fasse surf. Voilà mon game plan. En vrai, ça va, hein, c'est legit comme plan. Parce que migraine résiste au type acier, donc... Allez, surf. Ouais, ça va, on le touchot. De la douceur avant la douleur. Merci le tam tam d'argent. Pour l'instant, ça se passe bien, mais il y a la reine. Il y a la reine, et la reine, elle est hyper dure. Il paraît que j'ai reçu genre 8 messages en mode tu vas perdre, tu vas, t'y arriveras jamais et tout. Tu devras tout refaire depuis le début. Et moi, je suis en mode. Merci les mecs de m'encourager. Non mais merci, toison épaisse. Non mais je oui, merci. C'est quoi ça? Ah mais c'est encore le... Oh, ça a l'air d'être labyrinthique. Vous savez que je suis trop fort en labyrinthe. Attendez, on va aller voir ce qu'il y a au bout de la route là-bas. Oh non. Ok, c'est bon. La situation est sous contrôle, les enfants. Ouah, mec, la glace est trop glissante. Non, mais ça va... Vous inquiétez pas. D'accord, le mec a spam Blizzard sous la grêle. Ça va, Givrali? Non, mais tu... Au pire, tu le dis si je t'emmerde, hein. Ok, il m'a mis mid-bar en deux attaques, tout va bien. Bon, ta mère niveau 64, hein. C'est vraiment notre game plan pour la reine dragon, hein, je vous avoue. Ok, attends. Ça, c'est glace. Ok, donc techniquement, ce truc ne touche pas ta mère. Migraine. Faut que j'arrête... Combien de fois j'ai prononcé le mot mère? Je sais pas, mais beaucoup. Vous avez vu les dégâts? Est-ce que vous avez vu les dégâts? Ça va, Limisberg? Tu le dis si on t'emmerde, hein, quand même, hein.
Ah c'est bon, je lui ai baissé sa DFSP. Oh. Oh les combats. Niveau 58, j'avais pas vu. Mais c'est pour ça que j'en chie ma race. Oh je suis tellement mort. L'arène il va avoir des Pokémon niveau... Oh je sais pas mais... Oh non. Je vais me faire casser mon petit cul vierge. J'avais jamais vu autant de souffrance dans la vie. Seuls les plus forts peuvent traverser la montagne. Oh, trop bien, vous avez vu, son nom, c'est Relay. Attends, lui, c'est Acier Glace ou je m'appelle pas Fildron, on est d'accord. Hein. Il va essayer de me casser la gueule. En vrai, on va mettre... Oui. J'ai la résistance à Blizzard. J'avais un espoir au début, mais là, je le dis, t'es mort. Aïe. Ah non, c'est juste glace. Ou glace quelque chose d'autre, en tout cas. Glace. En vrai, ça doit être glace-glace. Hein. Ou glace eau, en vrai. Bah, vu que c'est un bateau. Moi, j'aurais dit glace-acier en voyant son look, mais bon. Ah, mais parce que c'est... Il va avoir encore 4 Pokémon, le gars. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. Ok, Coachbook, attends. Coachbook, c'est dangereux. C'est type ténèbres. Donc, on y va tranquille. Ok, il m'a fait balle ombre. Speed of Drop. Attends, mais pourquoi ce truc me fait des... C'est pas physique, ça? Si, c'est physique, je pense. Il est glace-glace, vous pensez? Ouais. C'est comme ta mère, il est type féfé, tu vois. Ah, il m'a fait un coup critique. Eh ben putain. Oh. Vous êtes compliqué à affronter, vous, hein. Hyper potion. En tout cas, c'est bien pour l'instant. Je suis pas obligé d'utiliser trop de potions entre les fights. C'est la puissance des restes, ça, les mecs. Okay. Par contre, du coup, on a complètement raté la... Alors là, il y a un truc de ouf, là. Regardez. Pas du tout. C'est hyper labyrinthique. Ça me gêne beaucoup. Vous savez que moi, je suis très gêné. Et toi, t'es de quel côté? Ah, moi, je suis du bon côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, un type dragon. Tu veux qu'on en parle de ce type dragon, là? Allez, ta mère. Tiens, pouvoir lunaire. Bam. Un. Tu devrais essayer d'avoir un coachbook qui tape hyper fort. Bah, je suis en Nuzlocke, donc je peux pas vraiment choisir les Pokémon, mais c'est gentil de proposer. Je note dans mon petit carnet ce qu'il faut que je fasse. Ok, d'accord, c'est l'éleveur de Fourugon. Y a pas un mec avec glaciation dans le coin? Oh non. S'il vous plaît, pas ça. Ok. La musique est vraiment... Ouais, la musique du jeu est vraiment bien. Ça, c'est acier électrique. Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il a un type acier électrique, lui? Oh, acier électrique, j'ai Canoncule. C'est Canoncule, le seul Pokémon qui gère. Mais le problème, c'est que Canoncule, bah... Il tank, mais il fait pas mal derrière, quoi. Est-ce qu'il a turbo, celui-là? Non. Donc, il résiste forcément. Donc, on va faire Giga Sensu pour récupérer des PV. Oh, il fait changement vitesse. Oh, sa mère la pute. J'en ai marre de ce jeu de merde. Attends, mais il est pas acier dragon et je suis débile. Je crois qu'il est acier dragon en fait.
Oh, je vais me faire casser la gueule. Il est acier dragon. Il a une double résistance à giga sensu. Mais je lui fais zéro dégâts. Oh, mais quel enfer. Heureusement, il est bas niveau. Heureusement, il est niveau 53, hein, parce que... Quel enfer. J'ai soin, les mecs, j'ai soin. La situation est sous contrôle, j'ai soin. Oh là là, hop là. Allez, chais. Chais, tracton. Hop là. Et là. Et ils sont où, les PV que tu m'as infligés, là? Dans ton cul. T'as pas vampigraine. Il faut que je mette un autre Pokémon surtout. Mais là, il est à plus 1000 en vitesse. Attends. Donc, techniquement... Il faut que je mette oui. Je pense. Aïe, 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 Max, la menace. Terrible, désillusion. Non, mais par contre, il fait méga mal. Hein. Oh, j'espère qu'il a pas une attaque de type feu, mais ça devrait aller. Ok, Psycho, normalement, ça tue, je pense. Ok, le combat est pas fini vu que j'ai eu ça. Bon, ça c'est de la merde. C'est un des pires Pokémon du jeu, ça, ça a aucune stat. Ah. Attends. Parce que là, s'il me crit et que je flinche, je suis mort. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas le jour pour faire des plays de merde. Aujourd'hui, c'est le jour où on essaye de pas mourir. C'est pas pareil. Voilà. Non. C'est pas pareil. Les dracocharges crit là, plus grêle, plus flinch, c'est bon. C'est bon, hein. Non mais par contre, faut vraiment vous arrêter, madame. Lui, il fait que Pico. Vous vous rappelez le nombre de fois où j'étais supposé perdre mon Pokémon la semaine dernière et à chaque fois, il faisait les Pico parce qu'il faisait pas autre chose. Merci, Terzar, hein, d'être aussi sympa, en tout cas. Ok, alors attends, je dois aller où, moi? Parce que là, il y a en bas aussi. Oh, mais le labyrinthe de l'enfer. Ah non, mais là, c'est bon. Carbone. Attends, petite potion. Tu l'avais trouvé où, ta mère? En vrai, j'ai pas envie de changer de pseudo juste à cause de ça. Parce que pendant un temps, j'étais en mode... Est-ce que... Oh non. Oh, sa mère, je déteste. Ok. Reste concentré, Filong. Ok, c'est pas là, c'est là. C'est là, 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 là. Là, 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 là. Oh là là. Boost. Voilà. Voilà, tout ça pour boost. Oh, la glace éternelle. Trop bien. Je vais pouvoir booster mes attaques glace. Ok, on reste concentré. Tac. Tac, tac, tac. 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 Et là, tac. Et là, on le surprend. En revenant en arrière. Tac, tac, tac. Et là, tac. 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 Et là, on revient. Et là, on lui fait peur. Merci beaucoup pour le gros don. Un petit don pour le plaisir. C'est pas un petit don, merci du fond du cœur. Non mais par contre Merci beaucoup. Mais je suis trop nul. Ok, attends, je sais comment il faut faire. Je préfère ton crâne chaud. Ah, c'est comme ça. Oui. Non. Ok. On reste calme. L'important c'est de rester calme. Ok. 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 Ok, je sais où je dois aller. Je dois arriver là. Donc pour arriver là, je dois me cogner ici. Et pour me cogner ici, je dois me cogner là. Et donc je dois me cogner là. Et donc je dois me cogner là. Ok, je dois me cogner là. Mais attends, mais comment je me cogne là? Parce que j'aime te voir recevoir plein de dons, voilà ma participation plus petite que 3. Merci beaucoup. Ok. Ok, c'est bon, je suis là. Attends, je suis là, où je devais être, non?
Comme ça. Il faut rester calme, je t'en supplie, reste calme. Mais pourquoi je comprends jamais ces puzzles de merde? Parce que je suis une grosse merde, ok. Attendez. C'est bon, j'ai oh la victoire! Merci beau du fond du cœur pour tous vos dons, les gars. Oh, il a double pélugel. Ça, c'est glace pure, c'est ça? On va essayer de focus. Ah! Ah, ils ont ri de neige, super! Ils sont peut-être faits aussi. GG. Tout le monde est en train de dire GG comme si j'avais eu mon bac, tu sais, en mode let's go. C'est juste un puzzle dans Pokémon. Oh non, il y a Andesol. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il a fait bizarre. Un freeze. Ok. En vrai, c'est peut-être pas plus mal que le Pélugel soit pas mort, parce que comme ça, je peux les... Impulsion laser! C'est quoi ça, déjà? Oh oui! C'est feu, électricité ou glace? Ça m'a l'air d'être un move extrêmement troll, mais je vous propose de l'essayer à la place de Plénitude pendant un temps. Parce que ça a l'air marrant. On va essayer impulsion laser, les mecs. Je veux essayer. Donc c'est glace, électrique ou feu, hein. Ok, vas-y, on essaye sur... On essaye sur Alpico, let's go. Let's go, let's go, let's go. Là, c'était électrique, là. Ah, ça fait... Ça fait tellement pas mal. C'est de la merde. Bah oui, c'est pas stavé en plus, donc c'est vraiment nul, quoi. Ouais, ouais. On va sûrement lui remettre câlinerie, mais bon, il fallait qu'on teste. Parce que tu choisis pas, en fait. Tu choisis pas, c'est juste... voilà. Par contre, le combat qui dure 6 heures... Ok, je veux y croire. Impulsion laser de type feu, let's go. Non. Est-ce que ça tue? Ah, ok, bon, c'est vraiment de la... je pense qu'on peut on peut admettre sans trop de problèmes que c'est sans doute un move de merde. Ouais, je pense qu'on... Non, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vraiment de la grosse merde. Ouais, je pense que c'est vraiment de la grosse merde. Oui, non, mais... Le fait de l'attaque magique... L'attaque surprise, c'est bien l'attaque impulsion laser. Vous voulez une attaque feu, mais vous allez peut-être tomber sur une attaque glace. Alors attends, là je sens qu'il y a un truc de ouf. Ok. C'est maintenant, Filong. C'est maintenant que tu peux enfin prouver au monde ton skill en puzzle de glace. Écoute. Numéro 1, facile. Ah non, merde, je croyais que c'était bon. Franchement, les mecs, je pense qu'on peut dire que en quelques secondes, j'ai progressé plus que beaucoup de gens ne progresseront dans leur vie. J'ai envie d'utiliser un peu migraine, là. Seuls les plus forts peuvent traverser la montagne. D'accord, merci mec. Ah, il est beau lui. Il a un sacré look. Hein. On va faire surf. Oui, il est roche.
On l'a pas touché, on l'a pas one shot. Ouh, tenter lame de rock. À mon avis, ça fait mal sa lame de rock à lui. Quel skill. Yay! Ok, il avait juste ça. Oh! Mais alors attends, parce que... Ah oui, je me rappelle d'ici avec le surfeur. Et la musique. J'ai glissé de ouf sur la montagne. Par contre, je suis pas allé dans la grotte. Bon, c'est pas grave. Cette ville est toujours silencieuse à cause de la neige tombante. Oh, le rêve. Vous imaginez une ville où on n'entend pas Fildong? Est-ce qu'on va acheter des max repousses ici enfin ou pas? Ah, yes, c'est bon. Les mecs, ça y est, on est à la fin du jeu, c'est officiel. Je vais prendre quelques potions max. Les sprites? Bah comme l'autre fois, 2500 pouces bleus. Parce que je gagne du temps. Je suis un dentiste Pokémon. Hein? Je peux apprendre des attaques à ces Pokémon. 5000. Ah, il doit apprendre Machouille et tout. C'est marrant ça. Trop marrant. Regardez, regardez ce skill. Mais ça sert à rien, ok. On va à l'arène directement? Non mais on va se faire péter le fion quoi. Oh là là là. Bon, ok. On va aller à l'arène. On va aller à l'arène. Je veux aller à l'arène. Je veux y croire. Je suis technicien médical urgentiste. L'arène était trop compliquée? Oh. On va se faire péter le cul. J'ai pas de Pokémon avec surchauffe. Mais attends, mais est-ce que j'ai la CT surchauffe? Parce qu'il va me donner quelque chose si je lui apprends surchauffe. Je crois que j'ai l'attaque surchauffe. Mais je pense que personne n'apprend surchauffe. Ah mais attends, oui, il apprend des attaques feu. En vrai, c'est pas mal, hein. Cuillère de tabasco à chaque mort. J'ai pas envie de boire deux bouteilles. Oh, allez-y. Petite pierre aube. En vrai, j'ai envie de lui laisser surchauffe à la place de plénitude. Tu conseilles quel jeu Pokémon pour un Nuzlocke sur les gènes DS, etc. Emerald. C'est le meilleur jeu à Nuzlocker parce que c'est rapide en fait. C'est rapide et c'est fun. Putain, en vrai, surchauffe, c'est intéressant. Je devrais peut-être. Ma femme est très généreuse. La reine est tellement dure qu'il te donne des super bonbons! Oh, on est dans la merde, les mecs! Elle m'a donné des super bonbons! Attends, elle t'en donne combien? J'en avais genre 4, je crois. Ah non, mais c'est dans les. Oh, je sens que je vais me faire casser le cul. Elle m'en a donné 3. Oh mon dieu, elle m'a donné 3 super bonbons, la meuf. Picor. Trop bien, merci. Oh non. Et toi là, tendresseux, pauvre. Ça veut dire que tu vas te friter dans l'arène. Peut-être bien que tu voudrais du conseil. Pour t'amuser à l'arène de Banque-Neige, tu vas devoir réussir quelques épreuves. Oh mon dieu. Arrêtez de dire ça. Ta sagesse pour faire le bon choix quand ça compte, ton aptitude à t'adapter à différentes conditions, ta foi en tes Pokémon. Salut, il y a un nouveau cadeau mystère si tu fais la mise à jour du jeu. C'est pas évident de se relever quand t'es au sol, mais ne baisse pas les bras. Oh, je reste ici près du feu, oh là là. Un teu perforite. Ok, merci. J'ai trop hâte d'utiliser la tour perforide. Oh non. On va se faire péter le fion. Oh non.
Oh là là, mais pourquoi? Ok. On a Vomer. Vomer, c'est notre lead, d'accord? Parce qu'il a demi-tour, stabé. Et il est très rapide. Ok. Bon. T'es venu te frotter à l'arène aussi, j'ai l'impression que je suis arrivé le premier. Surpris de mon style différent, j'ai eu ces nouvelles fringues à port argent. Ce t-shirt n'allait pas vraiment avec le froid. En plus, maintenant, j'ai l'air d'un dur. J'ai entendu dire que cette arène est réputée pour être très difficile. Apparemment, il y a des épreuves à réutiliser, mais si tu t'en sors, tu chopes la puissance de la méga évolution. Il parle plus trop comme un gamin, là, vous avez vu. Enfin, le champion d'arène n'est pas un tendre non plus. Ah, vous deux, vous voulez défier l'arène? Très bien, cette arène est traditionnellement réservée par paire. Vous serez séparés pour les épreuves, mais vous réunirez pour le... Non, c'est un combat double. Oh, je vais me faire double focus. Oh, je vais me faire casser le cul. Oh, Théo, il est débile. Oh non, non. J'avais pas prévu. Ça me va. Vous devrez traverser 5 épreuves. Une fois que vous commencez ces épreuves, vous devez toutes les terminer sans vous arrêter. Si vous choisissez de partir, vous devrez tout recommencer. Vous avez besoin de force. Ok, mais j'ai force. Votre porte est à gauche. Ah non, je dois tout refaire. Ah, c'est bon. Oh là là, je vais me faire casser le, je vais me faire casser le dos, c'est ça? Oh, ok, bon. En avant. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Voilà, bah super, je peux plus sortir. Montrez que vous avez la puissance pour forger le monde à votre volonté. Oh non, un puzzle force. Ok, bon. On reste concentré. Il est bientôt 22h30, parfait. Ok, alors attendez, un puzzle de force. Je pense qu'il faut que je commence... là. Ouais, ensuite. Merde, non. Ok, je suis allé un peu trop loin. On veut réinitialiser la salle. Ok, c'est bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ça va, c'est pas trop dur. C'est juste que je suis allé trop loin avec celle-là. Voilà, c'était là. Voilà, ensuite, ici. Voilà. Oh non! Mais... Ok. Acolyte Trovgar, il a Reptagriff, j'ai Vomer. Il a déjà des Pokémon niveau 60 ou presque. Oh là 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 là, c'est la reine. Oh, par contre, Vomer. C'est quoi ça? C'est Glace Dragon, on a dit. Hein. Mais attends, mais il est pas évolué. Il va se faire one shot, non? J'ai une double faiblesse. Non, s'il te plaît. Non! Oh, sa mère! C'est bon, il a survécu. Attends, s'il a éclat glace, je suis mort. Ok, non, attends. Non, j'ai acrobatie prioritaire. J'ai acrobatie prioritaire. Oh, ok! Ok, tout va bien, tout va bien. C'est bon, il me fait des dracocharges. J'ai lévitation. Ah, putain de merde. Oh, le éboulement double faiblesse, là. J'avoue que j'ai un peu sué des fesses, mais... Ça va. On a failli perdre nos mères. C'est l'ancienne version d'Elbourax, ouais. Ok. Ce type était fort, mais je l'ai battu.
Celle de la sagesse. Il soigne mes Pokémon ou pas? Non, il soigne pas mes Pokémon. Heureusement que j'ai acheté plein de potions. Hein. Est-ce que j'utilise des super potions pour le... Est-ce que j'utilise des... j'ai envie d'utiliser des super bonbons. Bon, en vrai, ça va pas servir de ouf, je pense. Nous mettrons à la preuve votre sagesse. Un beau dresseur doit savoir comment utiliser son esprit. Un nom, un puzzle. Petit passier. Salut Fifi, je suis revenu de la pause café. Ah, c'est bon, c'était facile. Bon, d'accord, c'était pas très compliqué son truc. Merci du fond du cœur. Bon, en vrai, vos mères en premier, c'est un peu dangereux quand même, hein. Mais bon. J'ai demi-tour. Vous allez utiliser votre esprit. Bon, ça va, le labyrinthe, faut pas exagérer quand même. Enfin, j'ai plus 3 ans, quoi. Ok. Alors, super, d'accord. Donc ça, c'est insecte glace. Donc je lui pète la moule avec acrobatie. Voilà, merci. Ok, je lui ai pété la moule avec acrobatie. On fait demi-tour. Oh, il est type plante. En vrai, j'aurais pu faire... J'étais pas sûr, on sait pas ce qu'il est. Il aurait pu être type vol. J'ai bien fait de switcher. Ok, il est type plante dragon du coup, lui. On va mettre ta mère. En vrai, contre un dragon, dans le doute, tu mets ta mère. J'adore. Le pseudo est incroyable, ok. Alors, Giga Sensu à plus 2. Attention, ça va faire un peu de dégâts, je pense. Ouais, ça va. C'est gérable. Ouais, en vrai, je le tue avec acrobatie, mais je savais pas que... Parce que il a pas vraiment... Enfin, il peut être plante, mais il peut autant être vol. Hein. Il a juste un look de dragon. Ça, c'est électrique vol, ça. Est-ce que j'ai un truc pour électrique vol? Pas vraiment, non. On va faire des Moonblast, alors. Ok, on touche shot. Ok, on lui a baissé son attaque spéciale. Oh, il m'a fait hurlement. On demi-tour. Ouais, il est type vol. Mais on le tue. Demi-tour, la meilleure attaque du jeu. Ok. Et on remet ta mère et on va proc les restes. Ah non, il a plus de Pokémon. Bien joué, ok. Ce type était un tordu, mais ma stratégie était meilleure. Théo, c'est pas parce que, genre, tu n'es plus le rival le plus détestable de tous les temps que d'un coup on est potes, hein, par contre. Faut que tu te calmes un peu, hein. Allez, next. Adaptabilité. Adapté à des changements soudains. Oh non, qu'est-ce que c'est que ce... Oh, il y a Théo. Hey. Hey, mon pote. Vu qu'on est potes maintenant. Oh non, oh putain. Ok, ok. Mais j'ai la situation bien en main, rassurez-vous. Regardez, hop, 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 hop. Surf. Into. Ça va. Par contre, du coup, attends, parce qu'il va avoir, du coup, des Pokémon dans la glace. Bah moi, pour prouver que ta polyvalence s'étend aussi à ton style de combat. Ok. C'est pas le normal dragon, ça? Je sais pas, mais je fais demi-tour. Ah non, il est vol dragon. C'est un saut lourdo qui est normal. Alors, attends, vol dragon. Ah, on met ta mère. Hein. Ta mère et Moonblast. Je viens de voir le niveau du Pokémon. Il est niveau 61. Je vais me faire casser la gueule. Ok. Oh, j'ai cru qu'il allait tanker, j'étais en mode. Non, mais faut arrêter. Allez, ta mère. Montre-nous ta mère. Ok, alors, tractons maintenant, on sait comment le tuer. C'est. Enfin, non, on sait toujours pas comment le tuer. Mais en vrai, oui, c'est le meilleur bête. Hein. Parce qu'il est dragon acier.
Donc en techniquement, il peut pas trop toucher. Mais attends, niveau 61 le truc. Oh, oh là là. Et vous avez vu les dégâts de tête de fer? Faut que tu te calmes mon grand hein. Je pense que je vais faire une plénitude. Parce que sinon on va mettre 2 heures à le tuer. Ah oui putain, il fait des dracos charges en plus. Oh là là, quel enfer. Heureusement on a soin hein. Par contre, en vrai, le fait d'avoir... On a quand même 3 Pokémon qu'on soigne, donc ça, c'est vraiment extrêmement fort. Il est 22h30. Merde. Il a que des attaques qui peuvent flinch aussi, hein. Ça fait un peu peur, j'avoue. Ok, parfait. C'est bon. La situation est sous contrôle. C'était son deuxième Pokémon... Non, c'était son premier Pokémon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va setup avec, pour la première fois, la technique de mur de fer. Pour prendre beaucoup moins de dégâts, parce qu'il fait mal quand même. Ok, il me flinche. C'est un peu le problème. Et, par contre, tu sais que Dracochar, c'est genre 70 de précision. Par contre, je suis en train d'utiliser tous mes PP. Hein. Clique sur mur de fer. Mais j'essaye, mais il m'a flinch. Le jeu lag. Oh, ça va en vrai, il lag pas vraiment. Hein. C'est plus les animations qui sont un peu brutales que le jeu qui lag, je pense. Ah, voilà, il est enfin raté. Ok, allez, mur de fer. Ok, maintenant on est à plus 1. Plus 1 en défense spéciale, plus 1 en attaque spéciale et plus 2 en défense. Donc là, on peut taper. Ça fait peur pour le champion. Ça, c'est juste un dresseur, les mecs. Hein. Je tiens à le rappeler. Non, mais je vais me faire casser la gueule. Hein. C'est sérieux, ça? Non, mais les dégâts sont nuls. Ah, j'ai pas soigné. Du coup, j'ai très peu de plénitude à cause de over... Ah, putain de merde. J'avais pas pensé du tout. Parce que je lui ai réappris une autre attaque. Oui, c'est la grêle qui fait lag. C'est la grêle, en fait. C'est pas... C'est la grêle plus que le jeu en lui-même, mais oui. Ok, il est mort au prochain tour? T'as un infallible plénitude. C'est vrai que j'ai une infallible plénitude. Mais non, mais... Je voulais pas faire mur de fer, je voulais faire soin. Du coup, je suis en train de me setup. Promis, je voulais faire soin. Je vous jure que je voulais faire soin. Mais c'est parce que en stratégie, à chaque fois que j'ai soin... Ah, mais en vrai... Non, attends. C'est parfait. Parce que là, par contre, on a tué le tracton à coup de grêle, hein, je tiens à le dire. Et là, soin, il va pas me flinch. Oh, regardez, oui. Hop là. Je sens qu'il va y avoir du sacrifice pour le champion. Il lui reste un Pokémon. Ça va, j'ai Psycho. Ça va. Je suis à plus 2. Allez, prends ton psycho stabé dans la gueule, là. Il a le même niveau que moi. Bon, il a fait boule armure, par contre, faut arrêter. Ok. Par contre, comment je fais pour me... Alors Théo, c'est bon, il s'en sort aussi. J'ai cru que mes jambes allaient se dérober. Je m'en suis sorti. Tu t'en es sorti sans problème. Ouais, mais je suis toujours pas ton pote. La foi? Comment ça, la foi? Oh non. Comme c'est une bonne idée. Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ok. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 3. 1. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1. 2, 3, 4, 1.
1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, mais c'est pas fini! Ah mais je peux voir? Oh sa mère, je peux voir en direct. J'avais pas vu le bouton! Ah ouais, mais ça lag trop par contre, j'y arrive pas. Quel enfer. Mais vous avez vu le truc? Mais quel bordel! Ok, attendez, on va ralentir le jeu. Le jeu, là, il est en speed, donc du coup, on va ralentir le jeu. Parce que là, ça va être impossible, sinon. Oh, sa mère, putain! Oh, j'y arriverai jamais! Oh, tu repasses au début! Je vais mourir! Ok. Ok, celui-là, je le connais par cœur. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1. Voilà, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va prendre une capture d'écran. Top! Ok, ok, ok. Ok, je crois qu'il va falloir que je filme le truc, les mecs, c'est pas possible. Sinon, je vais mettre 2 ans, hein. Non, mais c'est horrible, ce truc. Qui a eu l'idée de faire ça, en vrai? Ok, vas-y, j'enregistre, hein, j'en ai rien à foutre. Non, mais vous avez vu le truc? Ok, ok, c'est bon, j'ai fait un petit enregistrement. Non, non, parce que là... Non, mais faut arrêter de se foutre de ma gueule, les mecs. Je suis désolé, mais... Ok. Ok, c'est parti. Alors, en avant. Donc, là, je suis au deuxième. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ensuite, 1. Ensuite... 1, 2, ensuite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ensuite, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était 6. C'est chaud pour ceux qui n'ont pas de bonne mémoire musicale. Ouais, c'est... Moi, ça va, mais c'est juste que... J'ai pas envie de passer 3 heures à faire ça, je vous avoue. Ok, allez. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. La mauvaise foi. Ah non, mais j'assume tout à fait. J'assume tout à fait, hein. Genre... 1, alors... 1, 2, 3. 1, 2. 1. 1, 2. En vrai, le début, je l'ai retenu. Ensuite, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ensuite. C'est en bas de 1. Ensuite. À gauche de 2. 1, 2. Ensuite. 1, 2. Non, attends, attends, je suis pas sûr. 1, 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, sa mère. J'ai envie de sauvegarder, mais bon. Ah, c'est... Il est très, très chiant. Hein. Il... C'est vraiment... je trouve pas ça très drôle, je vous avoue. Mais on l'a fait. Il voulait qu'on le fasse, on l'a fait. Cheat drong. Si vous appelez ça de la triche, c'est juste pour aller plus vite, j'ai pas envie de mettre une heure à le faire. Ok, allez. Vous avez montré que vous avez foi. Avez-vous foi en vos Pokémon? J'ai foi en mes Pokémon.
GG, I guess. Bah, en vrai, c'était pas si facile à faire que ça. Hein. Même avec le truc, c'était dur parce qu'il y a des lags et tout. C'est vraiment chiant, hein, ce truc. Hein. J'ai envie de mettre migraine et de me setup. Vous pensez qu'il a freeze dry? Normalement, non. Hein. Tu t'es pas soigné. Non, effectivement. Sans tricher, t'aurais été plus vite. En vrai, j'aurais galéré de ouf. Hein. Je me connais. En fait, le truc, c'est que les inputs lag de ouf. Je pense pas que vous le voyez, mais ça lag beaucoup. Je pense qu'il faut que je me setup. Hein. Je pense que là, on sait pas ce qu'il a après. J'ai envie de... Oh putain! Il a voix de miroir! Ok, il faut qu'on le one-shot du coup. On n'a pas le choix. Oh mon dieu! Oh! 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 Il veut mon cul! Ok. Ok, je me mets au max, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de mourir d'un voix de miroir parce que je sais pas, il tank. Oh, il a grêle. Ok, il a pas corgé, j'ai l'impression. Bon, en vrai, c'est bon, là, je pense. Il a dernier recours. Ok. Ok. Voile miroir, ghost sur ton Pokémon physique. Mon Pokémon physique, il se fait one-shot sur Blizzard, donc c'est très compliqué. Ok, fort, surf. Oh putain, ils sont trop chiants. Avec leur truc de l'enfer là. Ils ont corgel là, enfin esquive rideau neige là. Ok, bon c'est bon, il est mort. Je suis à plus 4. Flashback d'arme ultime. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas, je lui fais surf. Ah, il est... Ah oui, terrapin. Type sol. Ok. En ayant foi à l'intuition de vos Pokémon, vous leur avez prévu de prouver la puissance. Alors attends, il faut que je me soigne, non? Il m'a pas laissé me soigner. Attends. Mec, celui-là m'a fait vriller, mes Pokémon étaient surpris, mais je pense qu'ils étaient ravis de se battre. J'ai fini, là, non? Oh non, c'est pas fini encore! Mais ça met 6 ans! Oh là là! C'est tellement long, sa mère! C'est quoi cette arène de la... Mais attends, mais... Calme-toi, arène, quoi! Ok. Allez, une dernière épreuve. Et après, je me fais casser la gueule. Et après, je devrais tout refaire. Oh là là. Bon, il y a Théo de l'autre côté. Salut Théo! On n'a plus qu'à avancer. Super. Tu m'en vois ravi, Théo. Ok. T'es pépé. Bah oui, mais pépé, mais bon, en vrai, j'ai pas le choix, je peux pas revenir en arrière, je vais... Ça va, mais pépé... Ça va, ça va, ça va... Lui, ça va bien. Lui, il a rien utilisé, presque, encore. Tu as poursuivi ta quête en prix de nouveau... On est finalement arrivé à la vérité, ce sera ton... Tu n'as pas le droit d'utiliser d'objets. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on fait demi-tour. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il est type spectre sûrement. Je pense que mon meilleur plan, c'est ta mère. Assez peu de faiblesses communes. Ok, il est spectre. Il va me casser la gueule. Oh putain, je vais me faire casser la gueule. Ah mais non, mais je suis con, j'ai Moonblast, j'ai... Hein, quoi, il résiste? Oh, distorsion! Oh là là! Attends, mais il est quoi, lui? Oh là là, je veux pas mourir, s'il vous plaît.
Attends, pourquoi je l'ai dépassé sous distorsion? Mon meilleur plan, c'est ta mère. Bah, complètement. Hein. Ça qui est drôle. Ok, j'ai pas d'objet, hein, donc j'ai... Oh, je suis plus rapide que lui, non? Merci pour la distorsion! Oh, s'il te plaît, one shot, niveau 63! What? Il a tanké le Moon Blast! Mon dieu de merde. Ok. T'as pas le droit aux objets avec le Nuzlocke? Non, c'est pas ça les règles du Nuzlocke. Si j'avais pas d'objets, ce serait vraiment plus dur. Oh putain, c'est Ok, alors attends. On fait toxique, hein. Oh non, putain, j'ai raté. Ta mère, courage. T'es full spedef. J'ai besoin de le toxique parce que je le passerai pas... Ah mais si, non, attends. Si. J'ai migraine, j'ai un Pokémon haut. J'ai un Pokémon haut. Mais attends, mais il a des Pokémon niveau 63, mais c'est abusé en vrai. Je pense qu'il faut qu'on plénitude et qu'on set up un peu, hein. Au moins un ou deux. Ok, il a raté Salamander. Oh, putain. Feu vol ce truc, hein. Je pense qu'il faut qu'on tape maintenant. Je dois pas trop me set up. Parce que mon seul moyen de me soigner, c'est repos. Ah ouais, voilà, mais par contre, voilà, c'est ça le problème. C'est bien ça le souci. C'est qu'il peut me flinch. Après, il en a raté un, donc techniquement, ça revient au même. C'est comme s'il avait pas raté. Faut juste pas qu'il me double flinch. Ok, c'est bon. Surf. Putain, mais c'est trop dur, ce truc. Est-ce que je vais pouvoir me soigner avant le champion, au moins? Ok, c'est bon, il est mort. Bien joué. Soigne mes Pokémon. Viens. Je peux me soigner à un moment où je vais juste me faire foutre? J'y crois pas, on l'a fait. La méga évolution est au bout du chemin. Ah non, c'est bon, il m'a activé. Ah oui. Ah, oh, vous pouvez aller vous reposer. Oui. On a réussi les épreuves, les mecs. Oh putain, eh mais... L'arène, ça va être... Je sens que l'arène, ça va être une purge galactique. Je pense qu'il faut qu'on s'achète plus de max potions et tout, hein. Je pense que là, il... Faut qu'on se prépare physiquement à devoir faire du PP stall, du tout stall, de l'enfer stall, de la mort stall, de... Enfin bref. T'avais perdu contre lui à l'époque. Ah putain, eh ben, je suis content d'avoir gagné. Après là, je suis prêt en mode Nuzlocke aussi, hein. C'est ça la grosse diff. Hein. Ok. Pas de mort. Je suis allé au bout sans mort. Maintenant, il reste le défi le plus dur. Ah, c'est bon, heureusement, on n'a plus à tout refaire. Ok, on lead avec quoi? Est-ce qu'on lead directement avec ta mère? Je pense qu'on lead directement avec ta mère. Il est type dragon, hein. Il a que des types dragons. Mais Daru de Sandstorm. Il nous faut un Dududu, là. Ouais, il nous faut un Daru de Sandstorm. Ouais, il nous faut le Daru de Sandstorm. Il nous faut un Daru de Sandstorm. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il nous faut du. Et il va falloir qu'on du fort, hein. Si j'y arrive sans mort... Je sauvegarde avant, mais ça ne sert à rien, c'est un Nuzlocke. Théo! Oh non! Oh non, c'est sous la grêle! Oh, mais ce jeu veut vraiment t'enculer la sec, là! Oh, putain! Challengers, mes acolytes m'ont dit que vous avez passé les 5 épreuves. Vous avez démontré une grande volonté pour aller aussi loin. Force, sagesse, adaptation, foi, volonté et le désir d'atteindre la vérité. Toutes les caractéristiques d'un honnête dresseur, seuls ceux au cœur pur et empli de détermination peuvent être dignes d'utiliser la puissance de la méga évolution. Et maintenant, moi et Fifou 2, allons te battre! Je suis Vaeryn le dragon, arbitre des méga évolutions de Tando!
Et vous avez peut-être passé les épreuves, mais un dernier test vous attend. Montrez-moi que vous en êtes digne. Les mecs. Le Genkidama, j'en ai besoin maintenant. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, c'est comme ça. Il a Servacier. Oh, la grêle tombe. Ok, ok, on commence avec une plénitude. On commence avec plénitude. Il fait tombe ciel. C'est quoi? Ça fait pas trop mal. Et voilà, je me prends le double focus. Je me prends le double focus. Mais je me rappelle que c'était pareil à l'époque. Oh putain, je me fais double focus mes poké. C'est pour ça que je me fais casser la gueule. Je suis déjà obligé de me soigner. Ok. Non, attends, attends, attends. On reste frais. J'ai un lait de coco. J'ai un vin de carotte sans PV et soigne les statues. Parfait. Oh, il fait enroulement. Ok, il faut qu'on casse la gueule de un céleste. Ok, c'est bon, il a focus Servacier. Oh, putain, les dégâts qu'il fait. Je vais me faire casser la gueule. Ok, Limisberg a pas l'air trop dangereux. Faut qu'on focus. Faut qu'on focus un céleste. Focus un céleste. Oh, il a fait colère, c'est bon, il a fait colère. Oh, sa mère, les dégâts. Oh non, s'il te plaît, me frise pas. Ok, pouvoir lunaire, c'est sûr, il est mort. Niveau 63, t'es mort. Non, t'es mort. Non, merci, putain. Petit passier. Allez, Ajactae, Bah attends, mais Servacier, il est en train de casser la gueule du Pokémon Limisberg, là. Mais attends, mais il est pas dragon, lui. Oh non, c'est glace aussi, mais d'accord. Ok, on focus Alpico, on focus à gauche. Je pense. Il a glaciation. Il faut qu'on le tue vite. Par contre, il... Oh, Servacier est mort. Il faut qu'on tue le Alpico. Il a fait glaciation. Oh non, putain. S'il te plaît, tue-le. Ok, c'est bon. Oh, putain, il a glaciation sur ses pokés. Mais ça, c'est interdit par la loi. Oh non. Ok, s'il te plaît. En des sols. Il a pas glaciation, lui. Ok, Luta Cabra, je sens qu'il est fort. Ok, on focus. Baston. Non, mais... Théo, ta gueule. Mais, Théo. Tu l'as même pas tué. Oh, si, c'est bon, il est mort. Avec le crit, il est mort. Ok. J'espère qu'il a pas glaciation. Oh, il est plus lent. Le pouvoir lunaire, est-ce qu'il est glace ou est-ce qu'il est glace genre faible au type... Non, c'est bon, il a fait avalanche. Il a fait avalanche sur tout cas pas grave, poison. Je crois qu'il va utiliser son tour pour faire une potion, là, le dresseur adverse. Ok, il est empoisonné, donc lui, il est mort, donc on va pouvoir focus... Ok, ça, c'est dragon. C'est focus direct. Il a fait danse Draco. Okay. Mais il va mourir. Non mais par contre... Théo. Bon, il est mort du poison en vrai. Il est mort du poison techniquement. Il est mort du poison. Théo, let's go. Touché cette fois. Mais ça touche pour le... Ça touche pour les deux équipes, baston. Mais c'est beaucoup trop fort. Ok, la pouvoir lunaire. One shot le Fast Niver niveau 67. Oui. Ta mère. Et les gens voulaient que je prenne Nucléon. Ils étaient en mode oui, Nucléon, nananana. Et nanana ton cul. Nanana ton cul. Putain, le type V est le meilleur type de la Voie Lactée. Ok, Pharamp. C'est son dernier poké. Pouvoir lunaire. Contemple le pouvoir de la méga évolution. Méga Pharamp, je le connais, méga Pharamp. Il me fait pas peur. J'ai pas peur de lui. Je vais lui péter le cul. Allez, baston. 1, 2,
3 4 Ça fait 0 dégâts. 5 Par contre, il va toucher 30 fois, genre. Regardez. Ah, il y a des... Pourquoi ça fait... Mais regardez toutes les animations. 11 Ok, il a fait tonnerre. Il a fait tonnerre sur l'Utacabra. Je pense que c'est bon. Le Moonblast. Oh, Théo qui a tanké aussi. Tous les gens qui me disaient de prendre Nucléon. Tous les gens qui me disaient de prendre Nucléon. Alors que j'avais ta mère. J'ai utilisé une seule potion. L'arène la plus dure du jeu. Tout le monde disait que j'allais perdre et que j'étais nul et que nananana. Oh, la victoire. Ta mère est tellement forte. Le badge Apex. Whoop. Je vais aussi vous donner à tous les deux cette CT Corosouffle. Souffle corrosif, c'est une puissance attaque de type dragon qui écorche les défenses de l'adversaire. Pouvez-nous obtenir la méga évolution? Tenez-moi vos poignets. Méga bracelet. Comment le fonctionne? C'est Gem Sésame, est un catalyseur lorsqu'un Pokémon capable de... Bon d'accord, on connaît la méga évolution. J'ai pas eu de mort aujourd'hui. J'ai pas eu de mort aujourd'hui, je suis trop content. Et moi je vais avoir quoi? Ah bah la méga évolution de oui. OVNI. Ah je lui ai mis la méga gemme direct. Oh non, non. Abandon the fucking mission. Oh mais c'est une blague. Comment j'attaque Z? Attends, comment j'attaque Z? Comment je Z? Non mais attendez, c'est pas fini! Attends, comment je Z? Petit passier. Théo le sauveur. Hein? Attends, c'est... Mais non mais... J'ai pas Z! Je sais pas Z! Ça bon, je fais des plénitudes. Oh sa mère, les dégâts. Avec ta souris? Attends, est-ce que je peux... Ah, c'est bon, je peux changer de Pokémon, ok. Mais attends, mais je peux changer de Pokémon, mais Je suis pas neuneux. Non. Canoncule. Oh putain, les dégâts qu'il fait. Z ça marchait pas les mecs, j'ai essayé Z. Faudra qu'on essaye plus tard. C'est bon, il me touche pas. Oh là là, merci d'avoir un Pokémon plante hein. Ah oui putain, vous avez vu les dégâts? Canoncule, on l'a pas beaucoup utilisé aujourd'hui mais... Mais il est présent hein. Alors là il est présent, je suis désolé mais... Ok, il est mort à la fin du prochain tour, donc je fais soin. Tu dois reboot les touches. Ah oui, d'accord, c'est ça, ça marchait pas. Ouais. Non, mais ça marchait pas, ok. Mais attends, il va avoir plus qu'un Pokémon ou... Oh là là, par contre, hop là, merci. Ok. Ah, mais d'accord, en fait, ok, d'accord, c'est vraiment le combat, c'était pas seulement la méga. Ok, alors lui, il est dur à passer, mais on a migraine. J'espère qu'il va faire lance-flamme. Ok, il a fait déflagration. Ok, tout va bien. Il m'a brûlé, putain. Quel jeu de merde. Quel jeu de merde, putain. Qui ne saute pas n'est pas fifou. Je vais faire plénitude et je vais me soigner. Hein. En vrai, ouais, mais je peux pas me faire crit. Qui disait pas de mort aujourd'hui? Franchement, là, à moins d'un crit, j'ai pas de mort aujourd'hui. Hein. C'est W pour méga.
Non, parce que moi je joue avec WASD. En fait, le truc c'est que j'ai changé mes. C'est pour ça que je vous. C'est pour ça que je demande, parce que j'ai changé mes. Enfin, j'ai changé beaucoup de mes touches, donc en fait, je... ça. Oh non, par contre. Ok, ça va, ça fait pas si mal. On n'est pas allé aussi loin pour mourir maintenant. Courage les mecs, on s'accroche. Allez, surf. Aïe, le crit. Oh putain, heureusement que je me suis soigné. C'est bon, je me suis soigné, tout va bien. Migraine est très important, ouais. Aïe. Oh putain, regardez ma vie! Il m'a baissé ma def ou pas? Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il m'ait baissé ma def. Il me fait baston. Non, c'est super efficace sur moi! Non, mais ça va. Il en a que 4 des bastons. Ok, c'est bon. Putain, mais le burn me met tellement dans la merde. Pourquoi tu fais pas guérison? J'en ai pas, j'ai pas encore de guérison à ce stade-là, j'ai que des max potions. J'ai du 20 de carottes. Allez, psycho. Je suis plus rapide que lui, Takabra, parfait. Ok. Allez, il faut qu'on réussisse sans mort, là. Soigne-toi. Attends, je peux pas tout le temps me soigner, je prends trop de dégâts de recul, là, en fait. On est plus rapide que lui. Allez, je pense pas que ça le one shot, mais ça devrait le two shot. Il a fait machination, mais je suis plus rapide que lui. Ah, t'as des guérisons, ok, d'accord. Mais en vrai, ça va là. Ok. Migraine. Hop. Putain, la puissance de la brûlure. On avait oublié que c'était aussi fort à l'époque. Hein. Ok, surf. Je suis plus rapide que lui. Il a mis machination. Paraboum est mort. Je crois qu'il lui reste genre un Pokémon. Non, attends, il lui reste plus de Pokémon. Ah non, mais par contre... Allez, on le fait legit, les mecs. Repos. Yes, let's go, migraine. On pourra voir la méga Evo. Ouais, on ira sur Twitch après. Et vous l'avez. Sinon vous la verrez la semaine prochaine. Migraine s'endort, oui, on a l'habitude. Bon, on a 2 tours à dormir par contre. Je crois que c'est son dernier poké, hein, le Cervacier. Méga fouet. Ah. S'il a méga fouet, mais il a pas l'air d'avoir méga fouet, hein. Il a pas l'air d'avoir d'attaque qui me touche. Hein. Migraine le MVP. Il se réveille, le surf. Par contre, on fait 0. Hein. Ok. Surf. Et je crois qu'il lui reste un seul Pokémon. Ta mère, c'est la meilleure cœur rouge. Oui, merci beaucoup ta mère pour le gros don. Ok. Et merci beaucoup. C'est lui, c'est Uralie. J'ai une double faiblesse à son attaque. Oh, il a Uralie maintenant. Ok, on est d'accord que oui est neutre à ses attaques. Oh putain, quel enfer, c'est ça, c'est le fameux Uralie. Ok, c'est bon, c'est neutre. On y était presque! C'est ma méga en plus qui est morte! Et c'était neutre, putain! Ah, je suis deg! Théo, fils de pute! J'y étais presque!
méga évolution qu'on n'aura jamais vue. Le pouvoir de la mégalution est vôtre. Oh, quel enfer, Théo, espèce de grosse pute. Mais je m'en fous de ta vie. On a la méga évolution. Ouais, super, on peut utiliser le pouvoir de la méga évolution, c'est fantastique. A tout de suite, professeur. Hein, mais j'ai vraiment pas envie de voir le prof. Quel enfer. Bon, un seulement, en vrai, ça va. Je suppose. Bon, il nous faut un nouveau Pokémon dans l'équipe. Pourquoi t'as pas mis ton Poneyo? Putain, j'avoue. Mais je pensais qu'il allait tanker, en vrai. Enfin, c'était neutre, c'est très bulky. Ah, j'avoue, j'aurais... Pourquoi j'ai pas pensé à ton Poneyo? Putain, j'avoue, je suis trop con, j'aurais pu sacrifier un autre Pokémon. Oh là là, et on a que des options de merde. Hein. Attends, attends, parce que ça c'est vivant. Voilà, et ça c'est mort. Je sais vraiment pas quoi mettre comme Pokémon. J'ai pas un type acier, j'ai plus de type acier. Oh sa mère, on est dans la merde. Ah putain, je suis deg. Ouais, j'aurais dû mettre ton Poneyo, j'ai vraiment pas pensé. Bon, techniquement, il nous reste quand même 4 Pokémon. Donc techniquement, on n'est pas si mort. On va s'arrêter là, on va passer sur Twitch pour l'entraînement, pour le débrief, comme d'habitude. Je vous retrouve tout de suite, du coup, sur Twitch. Bon, enfin, si vous voulez, évidemment, je vous mets... Mes modérateurs vont vous mettre le lien de Twitch dans le chat. On va réfléchir à la suite des opérations. Il nous faut un nouveau Pokémon. J'ai pas envie de mettre le Pokémon plante combat. Il faut que je réfléchisse. Méga Ténéfix. Mais c'est nul, Méga Ténéfix. C'est nul, Méga Ténéfix, les mecs. Il me faut un Pokémon rapide et offensif, là. Si t'avais méga évolué, t'aurais tank, je sais pas. Peut-être, ouais. Mais j'ai pas réussi à évoluer. Donc. Allez, merci à tous. Je vous souhaite à lundi prochain. Je vous dis à lundi prochain. Vendredi, du coup, la suite de PokéWild. Et lundi prochain, bah, live suivant sur Pokémon Uranium. Avec un nouveau Pokémon dans l'équipe. Mais, en vrai, ça va être un peu moins chiant, je pense, de level up la team. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous aime de ouf. Merci du soutien. Et à tout de suite sur Twitch. Bisous. Je vous aime.